mais il est mignon ce petit garçon. Comment tu t'appelles? Duteil. Mais alors dis donc, mais tu chantes? Oui. Écoute, ouais, je fais une émission de radio, tu voudrais la faire avec moi? Oui. Oh, c'est formidable, je vais te donner mes coordonnées puis on va pouvoir aller. Oui, il n'y a qu'un petit ennui, c'est que c'est pas lui qui chante, c'est moi. Ah, c'est dommage parce que lui, vous, bien sûr. Bah, c'est je sais bien. Hein, oui. Vous comprenez. Et qu'est-ce que vous chantez, vous? Bah, je peux vous montrer si vous voulez. Avec plaisir. Quand je courais dans les rigoles, quand je mouillais mes godillots, quand j'allais encore à l'école et qu'il fallait se lever tôt, j'avais à peine ouvert la porte et vu la Méditerranée. J'étais déjà dans la mer morte, juste au pied du grand escalier, en attendant que quelqu'un sorte pour jaillir comme une fusée. Puis je descendais le grand fleuve qui partait de la rue de Lévis, qui passait par la rue Salneuve et se perdait dans l'infini. Alors au square des Batignolles, je passais le torrent à guet pour voir les pigeons qui s'envolent quand on court pour les attraper. Alors au square des Batignolles, je passais le torrent à guet pour voir les pigeons qui s'envolent quand on court pour les attraper. Sur le pont guettant les nuages, on respirait la folle odeur qui se dégageait au passage des locomotives à vapeur. Et au cœur de la fumée blanche, tout le reste disparaissait. On était dans une avalanche qui venait de nous avaler. On était dans une avalanche qui venait de nous avaler. J'étais un faiseur de miracles et tout le long de mon chemin, je balayais tous les obstacles d'un simple geste de la main, en regardant les feux quand même, mais simplement pour traverser. Sûr que c'est moi qui sans problème décidais de les faire passer. Sûr que c'est moi qui sans problème décidais de les faire passer. Je cours encore dans les rigoles, je veux encore me lever tôt, et je vais encore à l'école pour apprendre à chanter plus beau. Mais j'ai grandi jusqu'au nuage où je m'invente un univers bien plus tranquille et bien plus sage que ne l'est ce monde à l'envers. Mais j'ai grandi jusqu'au nuage où je m'invente un univers bien plus tranquille et bien plus sage que ne l'est ce monde à l'envers. Pour moi c'est parfait, monsieur... Duteil, c'est très bien, c'est très bien. Alors vous faites l'émission. Vous êtes d'accord. Sûr que lui ne peut pas le... Non, bah alors vous la faites. Écoutez, rendez-vous dans le Concorde, place de l'autobus. C'est pas compliqué. Pardon? Hein? J'ai pas compris... Je dis... je veux dire, dans l'autobus, place de la Concorde. Ah bon, d'accord. C'est une place avec une... D'accord? Place de la Concorde. Voilà. Mais quel jour? Et demain. Ah bah oui, mais c'est que demain. Alors d'accord, demain.